Hola les guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va... Désolée, je parle très bizarrement, c'est ma voix du matin. Aujourd'hui on va passer 24 heures dans la peau de Lola Nanas. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, let's go. J'ai donc décidé d'aérer ma chambre. J'ai vu que c'était une nouvelle habitude que Lola avait prise dans ses dernières vidéos. Donc je me suis permise de le faire et je trouve que c'est une bonne chose. Pour le petit déjeuner, j'ai décidé de me faire deux petites tartines de pâte à tartiner. Et bien sûr, Lola ne serait pas Lola sans jus d'orange. Elle le dit assez dans ses vidéos, donc j'ai décidé de m'en faire un aussi. Guys, ce qu'on a fait ce matin, c'est se lever à 9h. On s'est levé à 9h alors que d'habitude, je me lève à 10h, grand max, des fois 9h50. Mais 9h pile, jamais. Donc en soi, je pense faire ça toutes mes vacances. Genre se lever à 9h, c'est très très cool. Donc on s'est levé à 9h jusqu'à 9h30, on a lu. Je suis en train de lire en ce moment La nuit où les étoiles se sont éteintes. Ce livre est incroyable, je l'aime d'amour. Je suis rendue à là, mais je suis déjà complètement fan de ce livre. Voilà, on verra par la suite des événements. N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, c'est là-dessus que je vous dis si je kiffe ou pas ce livre. Du coup, on a lu jusqu'à 9h30 et après on est parti faire un petit déj. Et là, du coup, il est 10h. J'ai mangé pendant genre 20 minutes parce qu'après je suis partie me brosser les dents et me laver le visage. Parce que, bon, voilà. N'oubliez jamais de vous laver le visage dès le matin, c'est très important. Du coup, la programme. J'ai vu que Lola, elle aimait beaucoup aussi faire le ménage. Ça tombe bien, je suis une fan de ménage. Donc c'est ce qu'on va faire. On va passer un petit coup de poussière partout. Voilà, on va nettoyer la poussière. On va passer un coup d'aspirateur. Et voilà, ce sera tout le ménage qu'on aura fait. Et il faut qu'on vide la poubelle aussi. Du coup, let's go. Et je suis très contente que Lola le fasse aussi le matin parce que comme ça au moins je peux le faire. C'est du journaling, voilà. Moi j'ai ce petit cahier là, 6 minutes à succès. Voilà, ça fait 3 jours que je le re-remplis. En fait, je l'ai rempli pendant un certain moment et là c'est clair que bah, j'avais arrêté. Et là, du coup, je m'y remets à fond et ça fait trop du bien. Vraiment, genre voilà, je le remplis la journée et après je coche le soir ce que j'ai fait. Et après, à la fin, je marque 3 choses qui m'ont rendue heureuse dans ma journée. Voilà. Du coup, je trouve qu'il y a encore plus de positif dans ta journée. En ayant regardé la dernière vidéo de Lola qu'elle a postée dimanche, je crois, j'ai vu que maintenant, elle avait une routine de maquillage un peu plus légère. Voilà, mais après c'est normal, c'est l'été et tout, un peu de légèreté ça fait pas de mal. Déjà je me suis déjà lavé les dents, j'ai lavé mon visage donc ça c'est bon. On va mettre de la crème solaire sur le visage, c'est tellement important, on oublie tout le temps d'en mettre. Mais c'est tellement important et franchement je vais pas vous mentir, je trouve que depuis que j'en mets ma peau se porte mieux. Voilà, ça peut paraître bizarre mais franchement je trouve qu'elle se porte mieux. Les nuages ne cachent pas les UV donc n'hésitez pas à mettre de la crème solaire, c'est important. J'ai vu aussi qu'elle utilisait un correcteur et du coup moi j'ai piqué celui à ma sœur.
Mais c'est juste pour en mettre un petit peu sous mes yeux et un petit peu sur les zones où j'ai des boutons. Voilà. Mais sauf que moi, je suis pas très très truc comme ça. Genre, j'aime pas. Enfin. Après, c'est la vie de chacun, mais je me dis, je fais l'effort pour cette vidéo. Ensuite, on va mettre du blush, voilà, un petit peu partout. Ensuite, après, ce sera, on va recourber ses cils, on va mettre du crayon à sourcils, du gloss, et ce sera tout, voilà. Mais aussi, je mets de la lighter, moi, du coup, j'en mettrai quand même. J'ai remarqué un truc aussi, vu que là j'ai un petit nerf de manger. Lola l'aime beaucoup, après avoir mangé le midi, de se regarder une petite série ou un petit film. Et là j'ai vu sur Netflix qu'ils avaient mis Le Voyage de Dr. Dolittle. Et je crois que c'est il y a longtemps, j'étais partie le voir au cinéma. Du coup j'ai envie de le regarder. Du coup c'est parti, je suis toujours accompagnée de mon petit chat. Guys, j'ai vu aussi que Lola, elle adorait aller dans son jacuzzi. Bah moi j'ai pas de jacuzzi, j'ai une piscine, mais ça va être pareil. Voilà, du coup j'ai mis mon meilleur maillot de bain, il est trop beau, j'ai un petit bouton là. Il est trop trop beau, il vient de chez Chine, je vous montrerai que le haut parce que le bas il est un petit peu échancré. Je vais vous montrer mon top pour les petits tips que j'utilise pour la piscine. Donc déjà j'ai mis de la crème solaire, j'en ai pas mis sur mon tatouage, faudrait peut-être que j'en mette. Mais bref, de la crème solaire 50, c'est la meilleure du monde. Bien sûr, une petite serviette, enfin une petite serviette, une serviette pour se sécher. Et bien sûr, ça vraiment genre meilleure chose ever à prendre, mon livre. Il est tellement beau. D'ailleurs, j'ai relu un petit peu ce matin, du coup là, je suis bientôt presque à la moitié. Presque. Les gars, là on va faire de la musculation. Ça c'est un petit top de chez Shine. Et après sinon j'ai un petit cycliste comme ça qui vient de chez Shine aussi. On va faire entraînement abdos et cuisses. Voilà, je vais faire les fesses mais on verra. Les gars, après cette bonne séance, faut pas aller à la douche directement après avoir fait une séance de sport. Ça, c'est ma maman qui me l'a dit. En gros, faut se poser un petit peu, genre 10-20 minutes. Et moi, j'ai continué à boire mon eau. Donc, c'est bon, j'ai plus d'eau, j'ai bu toute ma bouteille. Donc, ça, c'est hyper bénéfique. Là, on va aller à la douche, guys. Et j'ai vu que Lola avait découvert quelque chose. Elle prend le temps de se démaquiller avant d'aller se doucher. Et c'est vrai que moi, je fais un truc qui va pas du tout. C'est que je vais me doucher et en même temps je lave mon visage et du coup ça me démaquille, sauf que c'est pas la meilleure des choses en fait, faut avoir deux nettoyants, voilà, donc un c'est le démaquillage et le deuxième c'est le lavage de la peau. Pour me nettoyer la peau sous la douche, moi j'ai pas de produit, c'est vraiment un savon, voilà, avec des petits trucs incrustés à l'intérieur et ça nettoie le... ça pénètre dans la peau pour nettoyer la peau quoi, tout simplement. Du coup voilà, ça, c'est trop génial, vraiment ça m'a enlevé masse d'impuretés que j'avais sur la peau, vraiment j'en ai beaucoup moins, avant j'en avais plein sur le front, sur le menton et tout, et même si là il me reste un petit peu, je trouve que vraiment j'ai beaucoup moins de boutons qu'avant.
Donc voilà, c'est plutôt cool. J'en mets aussi sur le devant, sur mon torse, parce que j'ai toujours des petits boutons ici. Et j'en mets dans mon cou. Voilà, c'est hyper important de penser au cou, aux zones où on a des boutons habituellement, quoi. Donc voilà, let's go se laver et je reviens après. Du coup aussi, j'ai remarqué que Lola avait une routine le soir, c'est-à-dire qu'elle mettait son sérum et après avoir lavé les dents, manger, elle met sa lotion pour les boutons. Donc je me dis, peut-être que je vais faire comme ça, à voir, et peut-être que ça marchera mieux au niveau acné, je sais pas. Mais let's go, on va mettre mon petit sérum. Moi j'ai pas de gua sha, j'ai un roll-on mais j'ai oublié de le mettre au frais. Mais j'ai ça. Et ça c'est trop bien pour toutes les personnes qui me suivent sur mes lives TikTok tous les soirs. Ils le savent que je suis toujours avec mon petit truc comme ça là. Mais c'est incroyable, c'est si frais, c'est si pratique d'utilisation. Et c'est trop trop bien, ça fait trop du bien à la peau. Autant de luminosité que ce matin parce qu'il commence à faire nuit, voilà. Mais là on va faire les trois phrases positives et on va cocher toutes les choses que j'ai fait ce soir, enfin aujourd'hui, et on va cocher toutes les choses que j'ai faites et que j'ai réalisées aujourd'hui. J'ai tourné ma vidéo 24 heures, on peut dire que c'est fait. Mon livre, je l'ai bien lu à la piscine, enfin après la piscine, et je l'ai bien lu là tout à l'heure, donc on peut dire que oui. Remplir mon séminaire, je l'ai pas fait, faut que je le fasse. Être productive, on a bien été productive. Monter la vidéo, j'ai déjà commencé à la monter, donc ça vous pouvez pas être sûr de ça, mais je vous promets que j'ai déjà commencé à la monter. Alors, trois choses productives, enfin positives. Je me suis levée tôt, ça je trouve que c'est une chose très positive. J'ai lu mon livre parce que je l'aime beaucoup et je sais pas si ça me rend heureuse genre de lire mon livre. J'ai regardé un film, c'est grave des trucs où il y a personne qui est concerné dedans, c'est que moi-même, mais ça m'a trop rendu heureuse cette journée, genre vraiment cette vidéo c'est grave la meilleure chose que j'ai faite là de cette semaine. Du coup je sais pas, en vrai je dirais plus filmer ma vidéo. Guys, on va aller regarder des petites vidéos YouTube, mais comme j'ai commencé un film je pense que je vais le finir. Voilà, je sais que Lola a fait ça après son petit journaling, elle regarde une série où elle lit un peu. J'ai vu aussi que Lola buvait beaucoup d'eau, du coup c'est ce que je fais. Enfin moi je fais ça tous les soirs, genre je me remplis à partir du moment où je prends ma pilule, je bois de l'eau tout le temps jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et c'est dommage que je fasse pas ça sur le long terme, genre tout le long de ma journée. C'est vraiment le soir que je fais que ça, donc bon, on a au moins un petit truc en commun qu'il n'y a pas besoin de rajouter dans la routine de ma petite soirée. J'ai vu aussi que Lola, elle mettait sa lotion pour les boutons le soir quand elle est chill et tout. J'ai presque fini mon film, voilà. Mais j'avais envie de faire une petite pause un petit peu skincare. Je suis éclatée. Vraiment, je pense que mon veto, ça fait du bien à mon corps. Bref, regardez ma petite pochette trop trop belle. Et du coup dedans il y a toute ma skincare avec bien sûr ma petite lotion pour les boutons. Guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a trop fait plaisir de changer de personne l'espace d'une journée. C'était trop trop cool. J'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like pour savoir si vous voulez que je recommence. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux aussi, parce que je suis très active vu que c'est les vacances. Je vous prévois plein de nouveautés. Vous n'êtes pas prêts. En attendant, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.